Rafa fait partie. Je suis prêt pour la course. Ouais, c'est bon. Enfin. Je vise le top 10 là, aujourd'hui. Ah, ouais. Eh ben, allez. Ouais, tranquille. Ouais, on arrive. On va voir. Je te fais plaisir. Putain, ça va. Bon alors, ça va? Ça va, ouais. 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 Bien dormi, la gueule des beaux jours. Petit café. Alors, t'es en forme? Ça va. Pas de pression ce matin. Ouais. Oh. Est-ce que tu passes vraiment en bas? Non, c'est bon. Le parcours est bien, Raphaël. Il monte. Ouais. Ouais. T'as bien déjeuné ce matin? Ouais. C'est bon. Ouais. Bon. Je me suis bien rempli. Bon, Alexis, ton parcours, le parcours, tu le trouves comment? Bien, très bien. Ouais. Technique et tout, mais bien. T'es en forme? Toujours. Ah, ce petit café, il fait du bien. Tu fais ma gueule? Oui, parce que vous allez voir, on dirait un Simpson. Ouh. Retourne la caméra, pour toi. Ah oui. Avec... Zian, donc Sanko Kyo, je pense qu'il a marqué. Avec le 111, avec Johan Janssen qui a été. Le 313 avec Vassilou Malard. Le 314 avec Mathias Terrain d'Estev. Le 325, on va trouver Clément Fournier, le 325R. Le 336 avec Simon Arnouille. De... Voilà, c'est parti, la catégorie, bien sûr. Donc, Canessi, Garçon et Junior. Et ça va très très vite avec la formation de Dentil Cyclisme qui est partie très vite avec quelques longueurs d'avance. Là, trois tours, je crois qu'un bon plateau. Et oui, ça va vite, ça va très vite. Trois grands tours. Et là, je peux vous dire que ça va se préparer dans cette catégorie. Alors, le Fille, monsieur, avec Garçon. Et il y a des juniors aussi. Des juniors, bien sûr. Avec Justine David qui a pris son départ au niveau des catégories juniors. Je crois que c'est la seule, je pense, au niveau des juniors. Je sais pas, je ne suis pas trompé, je crois que c'est la jeune fille, Justine, qui est la seule fille junior dans cette catégorie de cette épreuve numéro 3. C'est plus mal au bout. Allez, voilà, allez, on recolle là, allez, reprends, roule pas tout seul, C'est bien Raph, allez, c'est bien Raph, allez. On va réchauffer sur le corps, parce que nous avons aussi, avec le Allez, Paulin, c'est super ça. Allez, Paulin. Allez, Paulin, génial. Allez, génial, Paulin. Voilà, le 318 qui est en train de passer ici avec le montant. Allez, ça, putain, accroche, là, super, ça, Paulin. Allez, tu perds plus de place, maintenant. C'est le dernier tour, là, hein. On lâche plus, hein. En train de passer avec monsieur Raphaël Lagan, donc qui est en train de passer le VTT Argentin, qui part pour son dernier tour. Et puis on va retrouver, je le disais, dans quelques instants, donc ce garçon qui a pratiquement fait la course à pied. J'espère qu'on aura pu mettre une roue ou quelque chose, quand même. Allez, Rafi, c'est bien. Allez. On le verra tout à l'heure. C'est super. Allez. C'est génial, Rafi, c'est bien, continue. Avec Justine Devilliers, qui est une jeune junior, une des favorites aussi aujourd'hui, à la ville de la plaque rouge. Ça sera du 4 au 7, 4 août, donc juste après le Tour de France, on va se retrouver. C'est une épreuve organisée par Marion Cliné, double triple champion du monde. Il a terminé pratiquement tout à pied et finit avec une roue qu'on lui a prêtée quand même, c'est bien. Voilà Clément, reprenez-lui la roue, voilà, ça c'est super. En plus, il avait crevé de la roue avant. Ouais. Attends, je vais aller le voir d'ailleurs, ce coureur. Comment ça s'est passé, cette course à pied? On n'était pas une course à pied, ce coureur. Allez, j'ai cherché des crêpes. Jean-Claude, tu veux une crêpe toi aussi? C'est en anglais.
Hello, Paula. Very good race today. Explain you what very hard today. En espagnol, Paula. Non, là, je ne veux pas là. Bon, alors dis-moi, Paula, cette course. Elle est dure. Premier tour, dur. Très dur. Même. Et qu'est-ce que ça trouvait plus dur là, après la mi-course ou... Ah non, dès le premier tour, j'étais dans le dur. Après, ça allait mieux. Après, ça allait mieux. Tu fais une belle course, n'empêche. Hein. Ouais, ça va. Ça va bien. Hein. Ouais. Malgré la diététique que tu fais juste avant la course, qui est pas tout à fait au top. Hein. Ouais. Ah. C'est pas grave ça. Bon allez, bravo. Merci. Laurent Gourmand, Goumar, avec le 223, avec Antoine Lavigne, avec le 224, et Antoine Marie-Charlotte Roy, avec le... Voilà, top départ ici, c'est parti très vite avec, bien sûr, un des favoris qui est en train d'accélérer avec le jeune Thibaut, qui est en tête déjà de ce parcours, avec, il est en train de donner un petit peu du courant et surtout du fil en retour aux autres. C'est le premier tour, c'est le départ. Ils sont partis pour 4 tours, donc une belle palette de champions ici. Ce sont certains 5 km 16. Allez, Firmin! Je vous ai pas attendu. Ah, Diepfried! Diepfried belge! Alors? Tu as loupé une belle gamelle. Oui, il paraît que t'es tombé dans l'eau. Ouais. Ah, t'es un peu mouillé, mais bon. Ça a été sinon? Tranquille, ouais. 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 T'es content? Dur, mais... Ouais, dur? Ouais. Elle a été en chercher, oui. Ouais. Alors ? Oui, oui, oui. Firmin ? Ah, ben bien, bien, très, très joueur et. Ouais, puis. Ce qu'on aime, quoi. Bien placé, ouais. Ce qu'on aime, ah bon ? Ah, oui. Peut-être, ouais. Il y en a deux, en plus. Ouais. Petite perte d'air, mais bon, ça va. Ah, j'ai gonflé, j'ai toujours ma pompe sur moi. Ah, c'est bien. Tout bon randonneur d'avoir sa pompe. Et d'où ? Avec le dossard numéro 3, on retrouvera le VTT Argentin avec Alexis Delrieux. Voilà, on va continuer avec l'excellent, celui qui a gagné 8 cyclocross cette saison, qui a terminé à plusieurs Coupes du Monde. Voilà donc, ils sont là-bas, il y a 4 minutes avant le départ. Je vois que Jean-Claude Bayon est vraiment très gentil, c'est d'affronter le froid hier. Voilà, c'est parti! C'est parti très vite, je vois que les maillots sont au national ici qu'on retrouve avec les favoris. Voilà, nous avons ici avec, c'est parti très vite avec les coureurs, ça va de plus en plus. Voilà, des grosses accélérations. Alors 5 tours, ouais, c'est 5 tours. Bien sûr, ouais, comme on le disait tout à l'heure, avec beaucoup de qualité. Avec un départ rapide, je peux voir la plaque de ce jeune coureur. Il s'est parti très vite, on retrouve pour d'autres parce qu'il se trouve en 4ème position. Et quand il fait une grosse accélération, on va se retrouver facilement. Hein. C'est vrai qu'il avait terminé aussi, donc il avait remporté le cyclocross de Coulommiers. En 2021. Et le voilà maintenant aussi au niveau du VTT. Voilà, sur le change massif. Alors je crois que. Allez, dernier tour, Alex, dernier tour. Allez, 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 allez. Et le 13, qui est Esteban Dupuis. Attendez-le, merde. Ils peuvent pas jouer, les gars. Allez, avec tire. Allez, tire. Tu perds avec tire. Allez, Alex, allez, 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 allez. Allez, Adrien, Adrien, il est dernier pour toi aussi. Il vient de Saint-Denis. Allez, vas-y. Adrien, gentil garçon aussi. Oh là, pour la 10ème place, ça va se bagarrer. Oh là, ça va vite. On veut que le porteur du maillot national
avec un gros retour. Merci Alexis, c'était beau. Ah génial, génial. Ah super. J'ai dit, t'allais niquer les deux. Ah ouais, quoi putain. Super Alexis. Je suis revenu juste à la fin. Félicitations. Alors là, bon, merci pour les encouragements. Ah ouais, là. Ouais, ça fait mal à la gorge, mais on t'en prie. Ouais. Ah, le Covid, tu l'as craché là. Ouais, il en reste un peu encore. Génial. Voilà donc Adrien. Adrien Garrig. Une belle organisation, le 8 d'ailleurs. Allez, belle bande de Shinglar. Oui, mais voilà ici les BTT de Montagri. Juste à la fin. Je crois que c'est Benoît.